Aménagé dans la rade de Port-Louis à partir de 2001, le chantier naval de l'océan Indien, CNOI, est aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne de valeur construite par le groupe IBL pour valoriser durablement des ressources de l'océan. Issu d'un partenariat avec des spécialistes français de la construction et de la réparation de navires, cette entreprise connaît un remarquable développement au niveau local et international, guidé par les valeurs d'IBL. Comptant parmi les principaux titres cotés à la bourse de Port-Louis, le groupe est en effet un des pionniers de l'économie mauricienne moderne, animé par la volonté de favoriser la croissance du pays en apportant des expertises étrangères pour mieux les transmettre à ses équipes, soit aujourd'hui plus de 6000 femmes et hommes. Depuis l'origine de CNOI, nous avons construit 24 ou 25 navires pour La Réunion, pour Mayotte, également pour Madagascar avec des financements tout ou partie de l'Union européenne. Et d'ailleurs actuellement nous avons deux bateaux, deux amphidromes en construction pour Mayotte, pour le service des transports mahorais. C'est la plus grosse commande qu'on ait pu prendre depuis l'existence de CNOI. C'est plus de 18 millions d'euros et c'est plus de 300 000 heures de travail réalisées dans l'enceinte du chantier, pratiquement 100% CNOI. Le développement de CNOI en soi est intéressant. Il l'est davantage encore parce qu'il a apporté un développement technique et social. On a commencé avec une petite dizaine de personnes en 2001 et nous en avons maintenant en 2016 pratiquement 400 ou un peu plus de 400. Le transfert de savoir, le transfert de technologie s'est réellement organisé, c'est fait. Et donc maintenant nous avons des chefs d'équipe mauriciens, nous avons des ingénieurs mauriciens, des chefs de service mauriciens. Donc nous sommes maintenant à même d'exporter le savoir-faire mauricien aussi bien pour des travaux de chaudronnerie à Mayotte que des travaux de mécanique aux Seychelles. En plus des expertises dédiées à la construction, celles qui concernent la réparation font aujourd'hui la renommée de CNOI auprès de nombreux armements opérant dans la région. C'est le cas des palangriers réunionnais et australiens qui pêchent dans le Grand Sud et couvrent 80% des prises de l'égide mondiale. C'est aussi vrai pour les thoniers sonneurs européens en activité autour des Seychelles, pour les remorqueurs de Madagascar et de la Réunion, pour les pétroliers qui avitaillent les soutes des navires commerciaux faisant escale ou croisant au large de Port-Louis. Mais aussi des bâtiments de la marine française basés dans la région. Les travaux techniques demandés pour tous ces clients font le bonheur du chantier et plus largement de l'économie mauricienne. On a eu en 2015 l'arrêt technique d'un navire français, le Nivose, qui nous a généré 200 000 heures de travail, donc c'était très bien pour nous. Et le bateau est resté 9 mois à Maurice. Rien que la facture d'hôtel qu'a dû payer la marine française pour héberger les techniciens et les marins qui étaient à bord du Nivose, c'est 100 millions de roupies. Il y a un intérêt économique très clair, en dehors même de CNOI, pour la République mauricienne. Un autre intérêt économique, c'est le Seafood Hub. Les bateaux peuvent ici venir décharger leurs poissons, le stocker dans les frigos, le vendre bien entendu, le faire travailler dans les sociétés mauriciennes qui font des boîtes ou des longes qui seront exportées ensuite sur l'Europe. Ce qu'ils viennent chercher en plus chez nous, c'est donc la maintenance de leurs navires et donc une qualité et une tenue des délais européennes pour un prix compétitif.